Bonjour. Alors après avoir été éliminé, après avoir pleuré encore à cause de Zep, parce que donc elle lui a chanté une chanson pour lui, vous savez, sur toujours l'air de Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur. Elle fait ça sur toujours sur à chaque fois c'est la même chanson, ça me fait rire. Zot, mais je l'adore. Bon, donc ça y est, donc il a été éliminé, gna gna gna, donc il est retourné en classe, et depuis il a un projet ridicule. Bon. Le projet ridicule qu'il a, vous savez ce que c'est? C'est d'écrire un bouquin de philosophie sur son parcours aux 12 coups de midi. Hein? Mais tu peux pas, mon petit Lolo. Pourquoi tu peux pas? Parce que, comment te dire, peut-être que tu t'es pas rendu compte de. Tu t'es, je sais pas, tu t'es pas rendu compte que tu avais des questions faciles, tu t'es pas rendu compte qu'il n'y avait pas d'égalité, que c'était pas équitable, etc. Donc tu peux pas. Alors, ou bien d'accord, donc tu fais un bouquin de philosophie sur les 12 coups de midi, mais bon, tu parles du côté, comment dire, non équitable du jeu. Voilà. Donc tu dis, bah oui, bah voilà, le maître de midi a des questions faciles, et puis les autres ont des questions difficiles. Voilà, donc c'est le jeu, c'est comme ça. Donc la production, ils veulent pas le dire, ce truc, pourtant, ça serait tellement plus simple. Mais c'est pas de l'arnaque, c'est voilà, c'est une façon qu'ont comment dire, la production de garder un maître de midi longtemps pour en faire un genre de héros, parce que comme disait je ne sais plus qui, on a besoin de héros, quoi, donc, etc. Quoi, donc voilà. Donc je trouve que mon petit Lolo, tu devrais prendre tes petits sous-sous, et puis déjà, je sais pas, amuse-toi avec, et puis après, si tu veux écrire un petit livre, et écris des petits livres sur autre chose. D'accord, mon petit Lolo? Bon, sinon, moi je vous dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Et puis j'espère qu'elle va rester longtemps là, notre. Non, bon, je sais pas, mais elle est tellement mignonne, regarde. Bon, le seul truc que j'aime pas, c'est son truc qu'il y a dans les narines. Bon, à part ça, bon, voilà quoi. Bon, allez, à tout à l'heure.